serraillé mon décoffrage tout autour, comme à l'intérieur. Le béton y sera injecté à l'aide de grosses pompes. Quand les murs seront assez résistants et secs, il recommencera la même opération pour élever l'usine comme un champignon jaillissant de terre. Pour l'exécution de ces travaux, les autorités allemandes utilisèrent un grand nombre de prisonniers. Russes, Yougoslaves, Polonais, Tchèques, Belges et bien sûr Français, astreints au STO.